Merci à ces deux enfants. Nous nous levons pour chanter « Voici Noël ». Aujourd'hui, les anges chantent dans le ciel. Chante avec eux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aujourd'hui, les bergers viennent à Bethléem. Viens avec eux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils trouvent Joseph et Marie et l'enfant nouveau-né. Cherche avec eux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils s'émerveillent et rendent gloire à Dieu de tout ce qu'ils ont vu et entendu. Rends gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils proclament la parole qui leur a été dite au sujet du Sauveur, Messie et Seigneur. Proclame Jésus avec eux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. La Vierge Marie garde avec soin toutes ces paroles et les médite en son cœur. Prie avec elle, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous chantons au peuple fidèle.
Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, un rejeton pousse de ses racines, l'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir, il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après des racontars, mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays. Sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte toujours autour des reins. Alors le loup séjournera avec l'agneau. La panthère aura son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble. Et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié. Leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent. Et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal ni dommage sur la montagne consacrée au Seigneur. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers. Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Les nations viendront le consulter et du lieu où il s'établira rayonnera la glorieuse présence de Dieu. Nous prions. Béni sois-tu, Seigneur, enfin il vient le jour où tu visites les tiens. Tu l'avais promis à Moïse, tu l'avais juré à David. Le voilà enfin qui vient. Dieu, tu entres dans la patte humaine et tu donnes ce crédit à l'homme. Mon frère, mon ami, celui qui est loin comme celui qui est proche, est ton visage, Seigneur. Quand toi, le Très-Haut, tu te fais tout proche, quand toi, le Très-Grand, tu te veux petit, le monde n'est plus le même. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu en chacun de nous. Seul l'amour pouvait oser cela. Je tombe à genoux, émerveillé, muet, mais tu m'ouvres les lèvres et je chante. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, le Seigneur, Dieu des nations. Nous chantons quand s'éveilleront nos cœurs.
spécialement pour les enfants, mais aussi pour les parents, une petite vidéo qui nous raconte l'histoire de Noël. C'est un mix entre l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, mais je vous laisse regarder cela. Regarde ces voyageurs qui arrivent. Comme ils ont l'air fatigués, il est chargé. Et puis elle, elle a la main sur le ventre. Mais elle attend un bébé. Ils viennent d'où? Ah, de Nazareth. Ils arrivent à Bethléem. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez une place dans votre hôtel? Parce que vous comprenez, ma femme va accoucher. J'ai besoin d'un lit, d'un espace. Oh, mon bon monsieur, mais tout est plein, tout est plein. Mais vous comprenez, c'est à cause du recensement. C'est quoi le recensement? Mais c'est se faire inscrire par les Romains dans la ville où votre papa est né. Ah bon? Et vous, monsieur, est-ce que vous avez une place dans votre auberge? Ah ben non. Oh non, 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 c'est plein, mais jusque sur le toit. Vous n'avez vraiment rien? Ma femme va avoir un bébé. Écoutez, j'y pense. Juste derrière l'auberge, j'ai une étable. J'y mets mes chèvres, mes moutons, un âne. Est-ce que ça vous conviendrait? Eh ben oui, d'accord. Et c'est comme ça que Marie et Joseph ont élu domicile dans une étable, avec les animaux. Là, au moins, ben, il fait chaud, ils sont à l'abri de la pluie si jamais il pleut. Il y a de la paille. Il y a aussi une petite mangeoire. On dit c'est une crèche. Et c'est là qu'ils vont s'installer pour passer 1, 2, 3 jours, même plus, puisqu'il n'y a aucune place dans les auberges et dans les hôtels de Bethléem. Et c'est dans cette étable que Jésus est né. On l'a tout de suite mis vers sa maman. Je suis sûre que Marie et Joseph avaient tout prévu. Des petites chemises, des langes. Et puis, Joseph est là. Et il a préparé dans la paille, avec une petite couverture, de quoi coucher leur nouveau bébé. Tout autour de Bethléem, où est né Jésus, il y a des bergers. Des bergers qui gardent leurs troupeaux dans la nuit pour que les voleurs ne viennent pas voler les moutons. Ces bergers, c'est des gens... Comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est des gens que personne n'aime beaucoup. Ils sont un peu sales, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. La seule chose qu'ils savent faire, c'est garder les moutons. Les moutons la nuit. J'imagine qu'ils doivent dormir le jour, mais bref, ils gardent les moutons la nuit. Et cette nuit-là, autour de Bethléem, comme d'habitude, les bergers gardent leurs moutons. Quand tout à coup, regardez les bergers, ils sont à quatre pattes par terre. Ils se précipitent. Mais qu'est-ce que c'est? La nuit a disparu, il y a une immense lumière, énorme. Et puis, pas seulement de la lumière, mais un bruit de vent, un bruit de... Et puis un bruit de chant. Qu'est-ce que c'est? Des fantômes? Mais non, c'est des anges. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces anges? Eh bien, ils annoncent que Jésus est né. Alors l'ange leur a dit quelque chose d'extraordinaire. Descendez à Bethléem, laissez vos moutons, descendez à Bethléem et vous allez trouver, juste derrière l'auberge, là, il y a une étable et dedans, vous allez trouver le Fils de Dieu, le petit roi qui vient de naître. Alors les bergers ont laissé leurs moutons, ils se sont levés, ils ont couru jusqu'en bas les collines, ils ont couru jusqu'à Bethléem, ils ont cherché dans la ville, l'auberge elle est là, ah oui, l'étable elle est juste là derrière, et ils sont entrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Marie, qui était en train de s'occuper de son petit garçon couché dans la crèche. Alors les bergers
se sont mis à genoux. Ils ont dit merci. Merci parce que le roi qu'on attendait depuis tellement longtemps est enfin arrivé. Et puis, ils ont raconté à Marie, à Joseph, et peut-être à Jésus qui est un petit peu entendu, ils ont raconté comment les anges sont venus, et comme ils ont chanté, et comme ils ont annoncé sa naissance. Ça, c'était un faire-part. Très loin de Bethléem, vivaient des savants. Et ces savants, toutes les nuits, ils regardaient les étoiles avec leur longue vue. Ils sortaient dans le désert et ils observaient. Et voilà qu'un soir, qui a vu ? Regarde ! Regarde cette étoile ! Mais elle est énorme ! Et puis, attends, elle avance ! Oh, écoute, quand une étoile comme ça apparaît, ça veut dire qu'il y a un roi qui est né. On va se préparer, on va prendre des cadeaux et on va aller le saluer. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé leurs chameaux, leurs cadeaux, du parfum, de l'or, etc. Et ils se sont mis en route. Et tous les soirs, au moment où la nuit tombait, on voyait l'étoile qui avançait dans le ciel. Et eux, ils marchaient derrière l'étoile. Qu'est-ce qu'on fait quand un roi est né? Eh bien, on va dans le palais du roi. Alors, nos savants sont arrivés dans le pays où Jésus est né et ils sont allés dans le palais du roi. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas passés inaperçus. Les gardes leur ont ouvert la porte. Ils sont rentrés dans le palais et ils ont demandé au roi Hérode, « Majesté, vous avez eu un fils ?» Alors là, Hérode s'est posé des questions. « Mais non, il n'a pas eu de petit prince dans son palais. Est-ce qu'il y aurait un autre roi qui pourrait me remplacer ?» Alors, il a fait appel à ses propres savants. Parce que, eux, ils devaient savoir quelque chose. Ils sont venus avec leurs livres. Et le roi a demandé, « Est-ce que vous avez entendu parler d'un roi qui pourrait venir me remplacer ?» Ils ont ouvert leurs livres. Et ils ont dit, « Oui, il semble qu'un roi va naître à Bethléem. » Alors Hérode a dit aux savants qui venaient du désert en suivant l'étoile, il leur a dit, allez à Bethléem, vous verrez, vous allez le trouver. Et puis quand vous lui aurez donné vos cadeaux, eh bien, venez me le dire, moi aussi j'irai l'adorer. Le menteur. Alors, les savants du désert ont quitté le palais du roi Hérode à Jérusalem et se sont dirigés, toujours conduits par l'étoile, du côté de Bethléem, quelques kilomètres plus loin. Ils sont entrés dans Bethléem. L'étoile ne s'est pas arrêtée sur le premier autel, elle ne s'est pas arrêtée sur le deuxième non plus, mais juste en dessus d'une étable. Alors, ils sont descendus de leur chameau, je pense qu'ils ont regardé à droite, à gauche. Et puis, ils sont rentrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Une maman, Marie, avec son petit garçon dans les bras. Alors, ils ont posé tous leurs cadeaux. Il y avait de l'or, du parfum. Et puis, ils lui ont raconté tout ce qui s'était passé. Mais au moment de retourner à Jérusalem voir Hérode, ce que Hérode leur avait demandé, un ange les a avertis dans un rêve en leur disant, écoutez, surtout, ne repartez pas pour Jérusalem parce que Hérode a des mauvaises intentions. Alors eux, tout discrètement, ils sont retournés dans leur pays par un autre chemin, plein de souvenirs, en se disant, c'est vrai, on a vu un grand roi. C'est le roi promis par Dieu, c'est le Messie.
vit le ciel parsemé d'étoiles. Ces étoiles, il les connaissait par leur nom. En les regardant, il disait souvent à son petit-fils, « Il va venir. »« Quand viendra-t-il ? » demandait l'enfant. « Bientôt, » répondait le grand-père. Les autres bergers riaient en écoutant ces paroles. « Bientôt, tu répètes cela depuis des années. » Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une seule chose, finalement, l'inquiétait. Son petit-fils commençait aussi à douter de sa venue. Et quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux plus jeunes ce que les prophètes avaient annoncé depuis toujours ? Ah, s'il pouvait venir bientôt. Son cœur était pleinement rempli de cette attente. Portera-t-il une couronne en or ? Demanda le petit-fils. Oui, certainement, répondit le grand-père. Et une épée d'argent ? Certainement. Et un manteau de pourpre ? Peut-être, disait le grand-père. Et le petit-fils semblait heureux. Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait attentivement la mélodie simple et pure. L'enfant s'exerçait jour après jour, matin et soir, pour être prêt quand le roi viendrait. Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans manteau de pourpre ? Demanda un jour le berger. Ah non, répondit son petit-fils. Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, et c'est un roi ? Pourrait-il me récompenser pour mon champ ? C'est de l'or et de l'argent que je veux. Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie. Le vieux berger, bien sûr, était triste du sentiment de son petit-fils. Il se demandait qui donc aurait le cœur assez pur pour accueillir un roi sans couronne et sans richesse. Mais voici que cette nuit-là apparurent alors les signes qui l'attendaient. Le ciel était plus lumineux que d'habitude et au-dessus de Bethléem brillait une belle étoile. Des anges vêtus de lumière, proclamaient une joyeuse nouvelle. « N'ayez pas peur, aujourd'hui vous est né un sauveur. » Alors le jeune berger se mit à courir au devant de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le premier et regarda l'enfant nouveau-né. Celui-ci, enveloppé de l'ange, reposait dans une mangeoire. Un homme et une femme le contemplait tout heureux. Le grand-père et les autres bergers arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant le petit enfant. Était-ce le roi qu'on lui avait promis ? Mais non, ce n'était pas possible. Il se trompait, jamais il ne jouerait son chant ici. Et très déçu, il repartit et plongea dans la nuit. Il ne vit même pas la lumière qui grandissait autour de l'étable. Et soudain, il tendit l'oreille. Quels sont ces pleurs dans la nuit ? Mais il ne voulait rien entendre et pressa le pas pour s'éloigner. Mais les pleurs continuaient de plus belle. Et si c'était l'enfant qui
qui m'appelle, se dit-il. N'y tenant plus, il rebroussa chemin. Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui s'efforçaient de consoler l'enfant. Le jeune garçon ne pouvait plus résister. Tout doucement, il tira sa flûte de sous son manteau et se mit à jouer de tout son cœur pour le petit enfant. Et tandis que la mélodie s'élevait toute pure, l'enfant se calma et le dernier sanglot s'arrêta dans sa gorge. Il regarda le jeune berger et se mit à sourire. Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire valait tout l'or et tout l'argent du monde. Prologue au chapitre 1. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui a la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne
n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Une brève méditation sur ce magnifique passage du prologue de Jean qui inaugure l'évangile de Jean. Il y a deux grands textes qui nous racontent le commencement, l'en-tête, comme le traduit Chouraki, ce texte que nous venons de lire dans l'évangile de Jean, et puis ce texte, bien sûr, je le pense que vous connaissez bien, dans le livre de la Genèse, hein, la Bible commence par ce texte du livre de la Genèse qui nous raconte la création du ciel et de la terre par Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux textes qui ont été écrits à des centaines de siècles de différence, dans des endroits différents, ont la même intuition qu'au commencement de toute chose, il y a la parole. Le commencement était la parole et la parole était avec Dieu, nous dit le prologue de Jean. Et le texte de la Genèse nous dit que Dieu parle, Dieu dit, et que tout se crée. Je trouve ça magnifique d'entendre aujourd'hui avec vous que ce qui crée la vie, c'est finalement la parole divine, mais peut-être aussi les paroles que nous pouvons nous échanger les uns les autres. Comme le dit le poète, il y a des mots qui font grandir, il y a des mots qui donnent la vie et il y a des mots qui font mourir parce qu'ils sont blessants, parce qu'ils font du mal. Alors, en cette nuit de Noël, alors que nous entendons que Dieu crée par la parole, peut-être devons-nous accueillir cette parole, que nous devons faire attention aux mots que nous échangeons les uns avec les autres, sachant que les mots que nous échangeons, encore une fois, peuvent faire grandir ou peuvent t'abaisser. Et cette parole-là est vraie aussi bien pour les adultes qui ont autorité sur leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs élèves, leur catéchumène, etc. Mais c'est vrai aussi pour les enfants qui sont ici, qui peuvent avoir aussi quelquefois des mots blessants pour leurs parents. Nous entendons ensemble, petits et grands, que celui qui a écrit toutes choses par sa parole veut que nous ayons les uns pour les autres des paroles qui font grandir, des paroles qui nous élèvent les uns les autres. La parole était avec Dieu, la parole a été faite chair, elle a pris corps, en Jésus-Christ, parole, lumière du monde, c'est la bonne nouvelle que nous pouvons entendre dans ce texte, qu'au cœur de nos ténèbres, il y a de quoi douter quelquefois de la réalité de Dieu, tant le monde est dur et violent, qu'au cœur de nos ténèbres, des ténèbres que nous devons affronter, une lumière luit et que rien ne peut éteindre cette lumière. Rien ne peut éteindre cette lumière, même si quelquefois nous pouvons en douter. J'ai préparé ce petit message, je le fais rarement, j'avais allumé une bougie à côté de mon ordinateur et j'aime bien préparer ma prédication en faisant des plans, titre 1, titre 2, titre 3, et puis à chaque titre, je mets une couleur différente, hein. Titre 1 rouge, titre 2 bleu, titre 3 vert, comme ça, ça me permet d'avoir les idées claires. Donc, je continue ma préparation et puis d'un coup, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, le titre 1 en haut de mon écran n'a pas la même couleur que le titre 1 en bas de mon écran, qu'est-ce qui se passe? Je commence à faire des recherches pour un coup du logiciel, jusqu'au moment où je réalise que c'est la bougie que j'avais mis près de mon écran d'ordinateur qui changeait la couleur finalement de ce que je pouvais percevoir. La couleur était la même, mais la bougie avait changé la perception que j'avais de l'écran de mon ordinateur. Et j'ai entendu une métaphore en lien avec ce prologue, c'est que quand nous rapprochons la lumière de nos vies, quand nous acceptons d'accueillir cette lumière, parole devenue lumière dans nos vies, eh bien, elle transforme notre vision du monde. Encore faut-il que nous acceptions qu'elle s'approche de nous. Encore faut-il que nous acceptions, oui, qu'elle entre dans chacune de nos vies. Puis deuxième bonne nouvelle, et je m'arrêterai là, que j'entends dans ce texte, c'est qu'il nous est dit que cette lumière, dès lors que nous voulons l'accueillir dans nos vies, nous accorde grâce sur grâce. Et une manière de traduire le mot grec, puisqu'évidemment le prologue de Jean a été écrit en grec, on peut le traduire par « il nous a été accordé chérissement par chérissement ». Il y a le mot « chérir », être chéri. Et s'il y a des enfants dans la salle, je sais qu'il y en a quelquefois, il y a les petits chéris de leurs parents, hein, c'est vrai aussi dans les classes, il y a le petit chéri de la maîtresse, etc. Et bien là, nous entendons dans ce texte
que chacun d'entre nous, nous sommes les petits chéris de Dieu. Nous n'avons rien à faire pour cela en Jésus-Christ. Il nous considère comme ses enfants bien-aimés, comme ses petits chéris. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse des caprices, hein, quoi qu'il arrive, mais nous entendons cette bonne nouvelle qu'en Jésus-Christ, nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Je m'arrête là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a pris chair en Jésus-Christ, lumière du monde et lumière pour chacune de nos vies. Amen.
Nous prions. Béni sois-tu, Dieu notre Père, dans l'enfant qui vient à nous en cette nuit de Noël, c'est de naissance que tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine, et pour notre prière soit vraie, et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Notre désir de vivre pleinement Noël et nos questions qui demeurent sur cette fête, notre désir de croire et nos résistances, notre fin de sens et notre révolte, face et non au sens et non au non-sens à la violence de ce monde, notre soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres, toutes ces contradictions qui nous traversent, nous les déposons devant toi. Seigneur, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les transformes en chemin de vie. Donnons-nous maintenant d'accueillir la douceur de Noël et permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui ne la trouvent pas, permet qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil. Père, nous te prions au nom de ton Fils, parole faite chère qui illumine le monde, et comme il nous l'a enseigné, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de cette célébration. Je vous propose ce texte d'envoi avant que vous ne receviez la bénédiction finale. Au berger, Dieu donne un signe et les mages suivent une étoile. À nous, Jésus demande de rester vigilants aux signes, de rester éveillés et de nous tenir prêts. Mais les signes de Dieu ne sont pas seuls ceux du ciel et de la terre. Ils sont ceux qui se trouvent au plus profond de tout homme, de toute femme, et qui font qu'au cœur même de la nuit, dans les situations les plus sombres du désespoir, brûle une lueur, vacille une flamme, germe alors l'espoir. À nous d'en être des découvreurs, à nous d'en être les témoins et les artisans, signe de l'espérance jamais éteinte. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance. Que la parole faite chair, que la parole lumière soit au cœur de chacune de vos vies pour vous affermir en vérité, en sagesse et en amour. Allez dans la joie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous restons debout pour chanter aux nuits bienveillantes.